Dans le dernier épisode de Transformers Prime. Nous savons maintenant qu'Optimus est revenu à ce qu'il était avant d'être Prime, Orion Pax. Sa carte d'accès. Mais pour accéder à quoi? Cette carte donne accès à Vector Sigma, une source très ancienne de pouvoir mystique, sur Cybertron. Lorsque nous avons pris d'assaut le hall des archives de Yakon au dernier jour de la guerre de Cybertron, nous avons mis la main sur des dossiers top secrets que nous étions incapables de déchiffrer. Ce sont les Decepticons. Ils se sont installés dans le laboratoire de recherche militaire qu'ils ont attaqué il y a 2 mois. Nous allons les laisser terminer leur pont spatial. Pourquoi? Puis nous leur reprendrons ce pont. Et il m'enverra sur Cybertron. Comment se fait-il que je ne l'ai pas encore vu à bord? Le commandant Starscream est mort. Optimus Prime! Je vous en prie, je ne vous veux aucun mal. Non, mais on peut savoir ce que tu fais ici? Des recherches pour le compte de Mégatron. Ah, j'imagine que c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Et pourquoi m'as-tu appelé Optimus Prime? Pourquoi? C'est interdit. Mais je m'appelle Orion Pax. Et je suis bien loin d'être un Prime. En fait, tu me rappelles quelqu'un que j'ai bien connu, voilà tout. Et toi, tu es Starscream? Oui. Mégatron m'avait pourtant affirmé que tu n'étais plus de ce monde. Le seigneur Mégatron dit beaucoup de choses, mais seules quelques-unes sont vraies. Est-ce que tu sous-entends que notre chef m'a raconté des mensonges? Je vois. Alors tu étais maintenu dans l'ignorance la plus totale, n'est-ce pas? Tes paroles sont de vraies énigmes, Starscream. Je t'en prie, dis-moi ce que tu sais que j'ignore. Et en échange... Starscream, rends-toi! Ne tirez pas! Restez dans le labo. Mais je... C'est un ordre du seigneur Mégatron. Le sujet du test est-il prêt? Je vérifie. GPS longue portée activé. Je ne sais pas trop si mes petits bricolages ont permis l'extension de notre pont terrestre. Mais il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. C'était seulement le premier essai? Non, Raphaël. C'était pure folie. Ce n'était qu'un acte de désespoir bien mal avisé. La conception d'un pont spatial peut prendre une éternité. Et en la matière, les Decepticons sont de loin les meilleurs. Tu sais quoi? Ils nous font faire un truc en classe de gym où tu dois monter à la corde. Il faut grimper jusqu'au plafond. C'est vraiment dur. J'ai jamais été capable de le faire. Mais... quand j'en ai parlé à Bulkhead, il m'a dit que je pouvais y arriver. Du coup, je me suis beaucoup entraînée. Et puis finalement, il y a 2 semaines de ça, je l'ai fait. J'ai grimpé jusqu'en haut. Je ne vois pas très bien ce que ceci a à voir avec une classe de gym. Mais je voulais juste...
D'accord, je te laisse tout seul. Optimus, si tu savais à quel point je suis désolé. Orion, je suis vraiment désolé pour toute cette agitation. Dis-moi, tu n'as pas été blessé, j'espère. Non, Seigneur Mégatron. Mais pourquoi m'avoir dit que Starscream était mort? Tout simplement parce qu'il est mort à nos yeux. Starscream était le lieutenant en qui j'avais le plus confiance. Avant qu'il ne devienne un traître et rejoigne les Autobots. De toute ma vie, je n'ai jamais vu pareil acte de trahison. A-t-il dit ou fait quelque chose qui t'a troublé? Non. Tant mieux. Peut-être serait-il préférable d'oublier complètement cet incident et de retourner à ton travail. Comme vous voulez, monsieur. Décidément, ce cher Orion n'a jamais été très doué pour mentir. J'ai commis une erreur en éliminant pas Starscream quand j'en ai eu l'opportunité. Une erreur que je ne suis pas prêt de recommencer. Aucune trace de pic d'Energon. Arcy ou Bi ont trouvé le pont spatial. Ils n'ont pas encore fait leur rapport. Ratchet, est-ce que ça va? Oui. Oui, viens, j'ai encore des choses à te montrer. Qu'y a-t-il? C'est un signal haute fréquence, avec un message intégré. Pour moi. D'Optimus? De Starscream. J'ai obtenu par hasard certaines informations à propos de ton chef. Amène de quoi le soigner et viens seul. Je t'avais pourtant dit de venir seul! Et depuis quand nous donnes-tu des ordres? Dis-nous où est Optimus? Répare-moi d'abord et je te le dirai, peut-être. Oh, un peu de compassion, je suis en train de me vider! Alors je te conseille de parler, et vite! Est-ce qu'Optimus a été blessé? Réponds! Il va bien, très bien! Tu ne vois donc pas que c'est moi qui suis blessé, Bulkhead? Où est-il? Mais qu'est-ce que tu crois? Il est sur le vaisseau de guerre de Mégatron! Mais où se trouve ce vaisseau? Quelle question, je n'en sais rien, c'est un vaisseau, ça se déplace! Il m'a fallu des mois pour le traquer, et tout ça pourquoi? Pour me faire tirer dessus! Tu n'aurais jamais pris le risque de m'appeler sans posséder une information que tu puisses négocier. Alors, tu vas me la donner, oui ou non? Je vais te la donner. On dirait que ton chef bien-aimé a perdu quelques-unes de ses facultés. Il tient absolument à ce qu'on l'appelle Orion Pax, figure-toi. Et il semble bien que Mégatron ait réussi à lui faire croire qu'il était un authentique Decepticon. Ça, nous le savons déjà, désolé. Comment? Comment avez-vous fait pour le savoir? Nous perdons notre temps. Mais attendez! Je ne sais rien d'autre! Je vous le jure! Vous n'allez pas me laisser ici, dans cet état! À moins que tu saches où Mégatron cache son pont spatial, tu seras très bien ici, à rouiller. Un pont spatial? Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'ils auraient terminé la construction de ce pont spatial sans mes instructions? Et maintenant, est-ce que vous pouvez me soigner, docteur? Nous venons de localiser le pont spatial Decepticon. Il est là, niché au cœur d'une mine d'Energon. Tout à côté d'une réserve de combustible. Malin. D'où nous vient l'info? C'est une source fiable. Bon. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Est-ce que votre atmosphère est respirable pour les humains, au moins? Je vais m'occuper de Jack. Je vais rester en contact avec lui. Je connais encore du monde à la NASA. C'est vraiment trop dangereux. Maman, je sais que ce ne sera pas facile. Mais Optimus a risqué sa vie pour sauver notre planète. Et il n'est même pas humain. On lui doit bien ça.
Jack est certainement le seul à pouvoir faire ça, June. Mais je ne veux pas que vous croyiez que je le laisserai partir sans quelqu'un pour le seconder. Nous ne sommes pas tous faits pour mener une vie ordinaire. Même Optimus Prime a été autrefois Ruyon Pax, après tout. Déjà tout petit, tu avais décidé que tu serais astronaute. Allons-y. Optimus Prime. Oh. Optimus Prime, chef des envahisseurs Autobots. Et Starscream qui a cru me voir en lui. Alors que le seigneur Megatron a dit que Ratchet était le chef des Autobots. Il y en a forcément un des deux qui ment. Nous allons établir un pont terrestre direct avec la mine d'Energon. Et nous frayer un chemin jusqu'à la chambre du pont spatial en neutralisant toutes les forces Decepticons que nous rencontrerons. Une fois que nous aurons sécurisé le pont spatial, ce sera au tour de Jack. Discrétion. Ce doit être notre priorité absolue. Nous serons très certainement inférieurs en nombre. Et si un Decepticon devait donner l'alerte à son vaisseau de guerre... Nos chances de réussite deviendraient nulles. Au moment où nous entrerons dans le vaisseau, nous brouillerons les communications. Ce sera un atout. S'emparer du pont est la partie la plus facile. Vous devez tenir assez longtemps pour que Jack et moi puissions faire l'aller-retour sur Cybertron. Raphaël a grimpé jusqu'au sommet de la corde en classe de gym. Nous y arriverons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de classe de gym ? Si Ratchet s'amuse à monter un raid commando, je veux en être aussi. Nico, tu vas aider Raphaël à manœuvrer notre pont terrestre et à gérer le centre de communication. Je ne peux pas aller sur Cybertron, je ne peux pas prendre d'assaut le pont spatial. Et l'infirmière Darby devra se tenir prête, en cas d'urgence. Fiston, il est temps de se préparer. C'est bon. C'est bon. Nous sommes attaqués! Commandant! Ah! Ça peut être d'autres. Un véritable chef-d'œuvre de technologie. Opérationnel ? Complètement. Périmètre sécurisé. Ça va se compliquer. Je vais cesser de brouiller les communications pour rétablir la liaison et maintenir le contact avec le reste de nos troupes. Force de frappe à la base. Objectif sécurisé. Ça va être à toi de jouer. Tu me ramèneras un souvenir. Si on a envie d'aller aux toilettes. Sois prudent, fiston. Vas-y, j'ai confiance. Optimus a besoin de toi. Verrouillé.
appuyer sur Cybertron. Tu es prêt? Et c'est parti. Je vais laisser le portail du pont spatial ouvert afin d'éliminer tout retard de communication dû à la distance. Ce sera plus facile de vous localiser quand vous serez prêt à revenir. Je ne comprends pas, là. Vous ne savez pas où se situe Vector Sigma? Son emplacement tient du mythe et n'est le fruit que de rumeurs, mon petit Jack. On dit que le chemin des Primes y mène. Il faut avoir confiance. Optimus guidera tes pas. Ne t'inquiète pas, le pont spatial n'est pas différent du pont terrestre. J'y crois pas. Je suis vraiment sur une autre planète. T'as vu, Arcy? C'est incroyable. Arcy? Ce n'est pas ainsi que je m'attendais à revoir ma maison. Je suis désolé. Dans le brouillard de la guerre, il est bien difficile de tenir le cap. Comment savoir d'où viendra le prochain coup? Nous avons tout fait pour sauver Cybertron. Mais lorsque le brouillard s'est enfin levé, il n'y avait plus rien à sauver. Arcy! Jack! Vous me recevez? Nous sommes bien sur Cybertron. Ouais! Oh, ils sont sains et saufs. Vous n'êtes pas là-bas pour faire du tourisme, d'accord? Il a raison. Nous ne savons pas si votre voyage aller a pris 5 ou 5000 clics. Bien compris. On y va. D'accord. Ratchet a dit que la carte nous guiderait, mais je ne vois pas très bien comment. Qu'est-ce que je suis supposé... Nous y voilà. Ça va prendre un certain temps. Poste de commandement, est-ce que vous me recevez? Poste de contrôle, est-ce que vous me recevez? Il ne manque plus que votre rapport. Ça va cogner. T'inquiète, non. Il va reconnaître ta voix. Je peux la rendre plus basse. Ou plus haute. Il pourrait également reconnaître la mienne. Poste de commandement, répondez, bon sang! Si je dois me déplacer, il va y avoir de la carrosserie froissée. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un peut répondre? Raphaël, connecte-les avec l'agent Foller. Si vous ne me répondez pas dans une nanoseconde, je vais... Oui, ici la salle de commandement. Situation tout à fait normale. Normale? Vous en êtes vraiment sûr? Nous étions en train de... d'étalonner les sous-systèmes lorsqu'il y a eu... Il y a eu une surtension. Mais c'est réglé maintenant. Et de votre côté? On ne peut mieux. Je sais que ce n'est pas simple pour vous. Alors gardez le moral. Oui, comptez sur nous. Fin de transmission. Je me demande bien pourquoi les archives des Decepticons ont été à ce point cryptées. Réussi à lui cacher la vérité longtemps. Mais Orion est encore loin d'avoir terminé.
Il devra achever le travail que je lui ai confié. Même si cela doit entraîner de grandes souffrances, le projet Yakon arrivera à son terme. Il le faut. La capitale des Decepticons. Génial. Il faut continuer à pied. Le bruit de nos engins risque d'attirer quelques indésirables. Les Decepticons ? La vermine. C'est par là. Thank you.